pied. Défi relevé, nous déménageons. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voyons comment les pompiers agissent en situation réelle. Les vrais pompiers se mettent au travail. On commence par brancher les tuyaux d'incendie sur les bouches d'incendie. Aujourd'hui, nous allons jouer avec le nouveau grand camion de pompiers. Regardez comme il est incroyablement beau! La voiture a des gyrophares qui peuvent s'allumer et différents signaux sonores. Maintenant, regardons de plus près cette voiture. La cabine de la voiture s'incline vers l'extérieur. Il y a ce moteur. Les portes de la voiture s'ouvrent comme les vraies. Et ils ferment. Ozone! Waouh! Il y a un signal ici. Je veux klaxonner aussi. Bien! Les roues sont en caoutchouc très dur et il y a un système d'absorption des chocs. C'est un réservoir d'eau. C'est ainsi que nous versons l'eau. C'est une pompe à eau. C'est une lance à incendie. L'échelle peut pivoter dans les deux sens. L'échelle est télescopique. Elle s'étend jusqu'aux étages supérieurs. Haut de gamme! Il est livré avec une échelle à coulisses. La voiture est équipée de gyrophares et vous pouvez activer la sirène. Maintenant, démarrons la voiture. Sur la route. Nous devons libérer la voie pour le camion de pompiers. Les camions de pompiers roulent très vite. Toutes les voitures doivent céder le passage et s'arrêter. Chaque minute de retard est précieuse. Tout d'abord, mettons en place les supports. Installons
l'action d'une lance à incendie dans une nacelle sur une échelle. Tout est prêt! C'est parti! Les pompiers ont un travail difficile et dangereux. Le travail d'équipe des pompiers est admirable. Les pompiers sont des héros. Le feu commence à s'éteindre. Bravo! Le feu est éteint. Abonnez-vous à la chaîne. Jouons et développons ensemble. Beau travail! Nous avons réussi! Thank you.